Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto album. Alors, cette fois, on va commencer par l'envers. Je ne vous montre pas l'album terminé. Je vous montre au fur et à mesure des étapes et l'album final, vous le verrez en dernier. Voilà, on va aller à la découverte de cet album qui va être réalisé qu'avec ce que j'ai chez moi et avec de la récup. Voilà. Et un bloc, ici, il y a un bloc de papier que j'avais acheté, mais je ne l'avais pas utilisé. Donc ça, voilà, ça date voilà, d'il y a plusieurs mois qu'il était là. C'était pour un autre projet. Et puis du coup, ce projet, je ne l'ai pas fait. Donc je l'utilise comme fond de photo. Voilà, vous allez voir ça. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure pour la suite. Coucou. Alors, on se retrouve pour ensemble, si vous êtes d'accord, pour rester avec moi, pour faire un petit album avec un calendrier des photos, enfin des photos, des dessins que j'ai reçus l'année passée, qui correspondait à un calendrier de l'année 2022. Alors, vous pouvez voir derrière. Là, c'était le mois de novembre. Et au mois de novembre, qu'est-ce qu'on avait? Un petit écureuil. Alors, je vous montre les pages. Une petite souris. Donc, j'ai découpé toutes ces pages au format 19-19. Et pour ne pas les gâcher, je vais en faire, parce que je trouve que les dessins sont très sympas pour faire un album sur le thème enfance, quoi, pour les mettre des photos d'enfants, des photos de classe, ou peu importe. Voilà. Donc, une petite souris, un petit escargot. Alors là, c'était pour le mois de septembre. Voilà, c'est très joli avec toutes ces petites fleurs. Vraiment, j'ai adoré ce calendrier. C'est Karine qui me l'avait envoyé. Voilà, ici on a un petit hibou, trop mignon, avec ses petites oreilles en fleurs, là, et son petit ventre fleuri. J'adore. Alors ça, c'était le mois d'août. Voilà, un chat, un adorable chat pour le mois de juillet. Voilà, les papillons, ça doit être le mois de juin. Je ne m'étais pas trompée. Je vous montre ça. Ensuite, on a la petite Madame Grenouille. Elle est trop rigolote. Et franchement, ça m'embêtait de gâcher ce calendrier. Alors, Madame Grenouille, pour le mois de mai, un beau bouquet de fleurs, voilà, noué comme si il était noué par un papillon. Enfin, je trouve ça romantique. Voilà, pour le mois d'avril. De jolies libellules pour le mois de mars. Voilà, des jolies libellules fleuries. Alors, c'est le même fond, hein. Partout, il n'y a que les couleurs un peu qui changent suivant. Vous voyez ici, il y a des ronds jaunes, un peu parmes, voilà, rose. Voilà, là, on retrouve le rose, le bleu, le jaune. Voilà, mais c'est toujours le même fond avec des petits losanges comme ça, un peu ton sur ton. C'est des tons très, très doux. Ensuite, on a une page, alors, toute fleurie comme ça. C'est le mois de février. C'est d'ailleurs rigolo, ces fleurs. Ben, c'est certainement pour remonter le mois. voilà, c'était un calendrier vraiment avec très très doux. J'aime beaucoup ces fleurs là, c'est très vraiment très très beau. Voilà, les feuillages imitent des fleurs, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, le cœur des fleurs, tout est dessiné, c'est vraiment original. Là, on a un autre chat, et ça, c'était la couverture. Mais je ne peux pas mettre ce côté parce qu'il y a marqué 2022. Donc, je vais utiliser l'autre chat et pas utiliser voilà, le papillon. Et là, pour le mois de janvier, c'était de jolis papillons. Donc, on retrouve les papillons. Donc, ce que je vais faire un carnet, un album photo à la Cinch. Alors, si ça vous intéresse de voir comment je vais le faire, eh ben, vous resterez avec moi. Au dos de ce calendrier, il y avait toutes les miniatures qui correspondent au feuillage. Oh, feuillage, n'importe quoi, parce que je vois un bouquet de fleurs au motif, quoi. Donc, on peut mettre un stop comme ça et glisser la photo pour ne pas gâcher l'image.
Je vais coller, je pense, sur du papier blanc et je vais faire des emplacements photos sur du papier bleu ciel. Donc, ouais, on retrouve bien la petite chouette. Donc, tout ça, je vais les mater pour faire un peu plus grand parce que sinon, les stops vont être un peu trop grands, trop petits. Donc, voilà, si ça vous intéresse de voir comment je vais réaliser tout ça, eh ben, je vais vous montrer comme quoi c'est très facile. Je trouve qu'à la cinch, ben voilà, je vais prendre des gros, les plus gros anneaux que j'ai. Et ainsi de suite, évidemment, hein, je ne vais pas mettre les anneaux ici, je vais rallonger les feuilles. En fait, je vais prendre des feuilles 21 sur 29, 7. Et comme ça, ça va me faire 19, 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm là. Et je vais voir ce que je laisse ici, je plierai, voilà, pour laisser de l'épaisseur. Pour mettre les photos et on fera une couverture ensemble. Voilà, donc on se retrouve après pour faire le montage. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve pour le collage. Alors, pour le collage, les petites étiquettes, j'ai pris un die carré et j'ai pris plusieurs papiers qui me restaient de couleur comme ça. Voilà, donc c'est des dies qui mesurent, il y en a plusieurs, moi j'ai choisi celui, il fait 5,2, enfin 5 sur les traits, les découpes quoi. Voilà, une fois qu'il est découpé, on va plutôt prendre ça, ça sera plus facile, ouais c'est 5 sur 5. Voilà, donc je vais coller ma petite étiquette. Bon, j'ai collé les autres, mais c'est pour voilà, vous montrer après. Donc, voilà. Évidemment, on essaye de centrer sa petite étiquette. Voilà. Sur celle-ci, je vais mettre du double face. Ça ira plus vite. Donc j'ai pris des fonds là, les feuilles de 21 29 7. Voilà. Donc mettre là à 1 cm puisqu'elles font 19 et que c'est 21. Alors ce que je vais faire par contre, comme sur mes autres pages, je vous montre. Non, celui-là il n'est pas taillé. Donc je vais mettre deux petits traits comme ça à 1 cm du bord. En haut, sur les côtés, en bas c'est pas la peine hein, puisque si c'est 1 cm en haut, c'est 1 cm en bas puisque ça fait 21. Voilà comme ça. Ce qui est assez clair, il fait plus 13 jours. Voilà. Je vais prendre le petit. Plutôt commencer par la fin, ça m'évitera de poser mes mains sur la colle. Voilà, voilà. Voilà. Et là, je vais me caler donc à 1 cm du bord du haut et 1 cm sur le côté. Voilà. Alors je range mon pic, je n'en ai plus besoin. Merci papy, Patty, je l'utilise. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, je ne vais pas laisser toute cette longueur, hein, parce que c'est sûr que ça, ça fait beaucoup. Hein. Alors, je vais essayer. Donc, si je fais
du 24 cm, non, je vais faire 25. Pourquoi? Je vous explique, parce que je vais faire des bandes ici, 25 ou 24,5, qu'est-ce qui irait mieux? Peut-être 24,5, ça suffit. Ouais, 24,5. On y va. Notre coupe papier. J'hésite avec le 25. Hein. Je vais peut-être prendre 25. Allez, je vais voir ce que ça donne. Donc ça, on ne le jette pas. Voilà. Bien 25. Hein. Donc si je mets des bandes. Non, 25, c'est mieux. Donc je vais toutes les couper à 25. Et ce qu'on va faire, alors je ne sais pas si prendre une bande de couleur ou garder le blanc. Parce que je me dis qu'une fois qu'on va mettre des photos, ça fera une épaisseur. Je ne voudrais pas que ça fasse. Donc j'ai envie de mettre une bande ici avant de perforer, de coller une autre bande de papier. Cette longueur là, non, c'est peut-être un peu grand quand même. Donc j'ai envie de faire, alors ce que je vais faire, je vais mettre ici comme si c'était de la dentelle, je vais les perforer, je vous montre ça après. Alors je suis embêté parce que ma perfo voilà, c'est cassé, donc voilà, il ne fonctionne plus du tout. Voilà, le papier reste coincé. Alors, je vois bien qu'elle est décalée là. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas la démonter. Donc voilà. J'arrive pas à. Ah, peut-être là. Si je prends n'importe quel papier pour essayer. Non. Elle ne coupe pas le papier. Elle reste coincée. Ouais. Donc j'ai trouvé une idée en attendant, mais bon. Alors j'ai pris de l'encre jaune pour ancrer les bords. J'ai coupé des bandes à 3,5 cm. Alors c'est toutes les bandes qui me restent. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai pris 3,5 cm parce que ça faisait vraiment grand. Voilà, s'il y avait eu la bordure festonnée, ça n'aurait pas fait pareil. Et là, je trouvais ça trop grand. Alors, j'ai une autre idée. Comme j'ai du washi, voilà. J'ai plein de washi comme ça, des petits washi comme ça, que j'utilise pas trop. Alors, c'est ma fille qui m'avait offert ça. Tout au début, je faisais du scrap, elle les avait trouvés chez AliExpress, elle m'en avait offert plusieurs, c'était un lot comme ça. Donc, comme je vous ai dit, dans le papier, il y a du bleu, du rose, du jaune, c'est les couleurs dominantes. Donc, je me suis dit, bah, Marie, tu vas utiliser ton washi, ça fera un motif. Essayer de le mettre bien bord à bord, comme c'est un bord à bord, en laissant un petit blanc. Voilà. On retourne. Et je vais coller. Voilà. Je vais coller toutes mes feuilles comme cela. Comme ça, ça fera une épaisseur. Voilà. Et une petite bande de déco. Ensuite, je viendrai ancrer tous les bords des feuilles aussi. Voilà. Donc, ça va demander un petit peu de temps. Donc, vous avez vu. Donc, on se retrouve une fois que j'aurai ancré. Alors, je crois pas que j'aurai fini là. Hein, parce que c'est assez long quand même à faire. Donc voilà, j'avais essayé de faire avec un ciseau cranteur comme ça, mais
ça ne me plaît pas. Voilà. Alors voilà, mes papillons. L'autre feuille ici. Voilà. Et je vais faire les autres. Voilà, à 3,5 cm, le temps d'ancrer tout, après d'ancrer les bords. Donc ça va prendre un petit moment. Je fais attention qu'elle soit bien calée à 3,5 cm. Voilà, et on se retrouve plus tard quand tout est fait. Donc on se retrouve pour nos feuilles photo. Donc, alors, je vais couper dans ce sens, parce que je veux faire, là c'est pour des photos 10-15, donc je vais faire 11 par 16, parce que je vais faire des petits coins. Voilà, donc j'ai pris du papier, voilà, c'est du papier pollen, comme ceci, 210 grammes, que j'avais acheté chez Brico Scrap, je crois, voilà. Il y a un moment que j'ai pas utilisé. Alors le bleu, qu'est-ce que tu as fait Anne-Marie? J'ai fait tomber quelque chose. Alors, j'ai dit 11. Pour que la photo 10-15 rentre, il faut faire du 11 par 16. 11 par 16. Donc ça, on va les garder. On ne jette rien, surtout. Alors, j'ai coupé comment, moi? Comme ça. J'ai du mal à voir. Voilà. Donc tout ça, on le garde parce qu'on risque de les utiliser pour mettre des petits mots. Alors, je vous montre, on va faire une pour ensemble. Après, je vais faire le reste. Donc, on va prendre la page écureuil. Allez. Maintenant, on va faire les petits coins photos. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'en fais une autre avec vous. Alors, quand je pense à mes perfos, là, qui sont, j'en avais deux. Les deux sont. En fait, c'est pas si costaud que ça. Hein. Voilà. Je trouve ça même très fragile. Il faut dire que mon con les utilise souvent. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur une page, moi je n'ai pas envie d'en mettre deux. Parce que de toute façon ici il y aura le. Donc je préfère en mettre qu'une. Coller comme ça. Voilà. Et ici je pourrais faire un petit. Pour mettre un mot, un petit tag. Pour faire la description de la photo. Mais le petit tag, je ne vais pas le laisser comme ça quoi. C'est moche. Donc, je vais plutôt découper mes photos. Je vais trouver l'idée. Voilà. Donc, je vais coller. Est-ce que je mets du... Ouais, j'ai envie de mettre plutôt du scotch. Voilà. Parce qu'il ne faut surtout pas coller les coins, là. Pas mettre de la colle dans les coins pour pouvoir glisser la photo, sinon donc je pense qu'une bande de papier comme ça ira largement. On va rajouter un peu de colle sur les côtés, rajouter un peu de colle sur les côtés, mes ciseaux. Alors j'ai acheté cette colle, j'avais acheté cette colle là pour
essayer chez Stamperia. Alors, c'est vrai qu'elle colle très très bien, mais alors, j'ai du mal à la faire couler. Je vais acheter un petit réservoir pour pouvoir... Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, une page de fête. On va faire la suivante, qui est celle du petit chat. Et le reste, ben, je le ferai... Je sais pas, vous n'allez pas me regarder couper. Hier, j'ai fait du rangement. Je vous dis pas. Un petit moment que j'avais pas rangé ce bureau. Alors, c'est pas maintenant, il me reste toutes les boîtes à ranger parce que il y avait une tonne de poussière. À la force de couper des papiers et tout. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour la suite.